Salut à tous, c'est Kagerou et aujourd'hui on reprend les let's play avec un let's play sur Dragon Ball Z Kakarot, donc qui vient de sortir. Donc on va commencer, on va faire une petite partie là-dessus, hein, puis on va bien voir ce que ça dit. Allez, on commence une nouvelle partie, c'est parti. Alors voyons voir un peu ce que ça donne. Je vais peut-être pas forcément vous regarder parce que j'ai un mauvais retour. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Là, là, ça sera peut-être mieux. Voilà. Alors, Sangohan. Papa. Dragon Ball Z. Son Goku rêve. Il rêve à quoi? Oh, il va y avoir un combat. Oh, je sens bien qu'il va y avoir un combat. Ah bah, on commence contre Piccolo. Narmol. Satan petit cœur. Alors par contre, ce qui est appréciable par rapport aux jeux récents qui sont sortis, même après un peu plus récent, c'est que là c'est vraiment les c'est vraiment les musiques de l'anime et c'est les voix originales. Donc ça, il y avait déjà les voix originales pour cette version, mais là c'est les trucs de l'anime. Alors, commande de combat LT maintenir, machin. Bon bah vous savez quoi, on va y aller au feeling, hein. Fermé, hop. Par contre, je sais pas si on peut faire des caméras sur ça. Tu vois, ouais. Fais voir ce que tu veux. Oh, tu vas te laisser faire, voyez. Et là, surcharge, ta jauge de tension se remplira à mesure que tu subis au fiche dégâts, ou cette jauge de tension est tonquée matière grecque pour activer l'effet surcharge. Ok. Putain, par contre, c'est compliqué à manier, hein. Oh. Putain, mais c'est pas possible! Je pense qu'il va falloir que j'esquive là et arrêter de jouer comme un bourrin parce que. Ah, la finition! Expérience gagnée! S! Oh, sympa! Niveau supérieur! Eh bah, ça commence bien, dis donc! Bon, par contre, je parle pas beaucoup. C'est quand même vachement chaud que c'est concentré et. C'est du nouveau let's play, quoi. Parce que là, du coup, je pense que je vais faire des let's play sur des jeux récents, des let's play des rétros, sur des jeux rétros.
Donc quand je dirais jeu rétro, je pense que ça sera jusqu'à la GameCube. Et puis non, pour moi c'est pas assez rétro. C'est quand même rétro. La GameCube, Dreamcast, peut-être PS2, voire. Bon, PS3, PS4 déjà non, ça sera pas du rétro. Chargement, popopopa, putain. C'est quand même fou, on est en 2020 et en 2020 il y a encore des temps de chargement. C'est affreux. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, Raditz! Bon, pour le moment, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi je trouve pas. Il est sympa, mais bon, je regrette. Déjà, le premier combat contre Piccolo, pourquoi je peux faire homme aux cheveux longs? Non, Raditz, Vegeta, Nappa, donc homme aux cheveux longs et homme aux intimidants, donc homme musclé. Wouah! Vous êtes des fous, ça? Vous pouvez pas dire Nappa, Vegeta, on sait qui c'est. Mais d'accord, que les personnes qui vont acheter Dragon Ball Z Kakarot connaissent déjà un peu l'univers, sinon ça n'a aucun intérêt. 確か俺の弟カカロットが別のうちに送られていた。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか？そいつを仲間に加えればもっと上手くやれる。貴様の弟ならそれほど期待できるんじゃないか？どこの星だ？そう、確か地球って星だ。 ポンポンポンポン。しかしその地球を制圧した。ああ、もう、じゃあ、今度は、あれ、セッション、ペッション。ちょっと、僕は、リゴレイクでセッション。何をしているカカロット。ああ、もう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 
Je cours plus vite que toi là, allez, oh, qu'est-ce qu'il est lent ce gamin. Ah, il a trouvé un pommier. Ok. Voilà. Ah, chouette. Dis donc, ça c'est passionnant par contre. Qu'est-ce que tu fais dans Dragon Ball Z? Je cueille des pommes. Je me rappelle pas de cet épisode de la série. Ni du manga d'ailleurs. Dragon Ball Z chapitre 1. La cueillette des pommes. Oh, le Warcraft-like quoi. Garde son doigt près de toi et va au point de pêche. Ouais, et au point de pêche. Et le point de pêche. Papa, ne m'abandonne pas. Ah, putain, mais qui est combien? Allez, c'est bon, je suis là. Allez. On peut pêcher juste à côté. Oh, alors ça, c'est chouette par contre. Ça c'est magnifique quoi. Oh, le putain de dragon. Oh là là, le putain de dragon qui passe juste au-dessus là. Ah c'est magnifique ça. C'est joli. Bon allez, avance. Oh là là là, mais allez, accélère. Putain, c'est fou ça. Avec les ombres et tout. Non c'est vrai que là, il n'y a rien à dire au niveau des. Au niveau des graphismes et tout, franchement, il n'y a rien, mais là, c'est vraiment super. Touche ta gourou. Faut que je te porte, c'est ça? Ah oui, bonne idée. Oh là là, bonne idée, on va porter le relou. Ouais, sakai, sakai. Mou, tu peux pas aller plus vite quand tu le portes, sérieux. Quand on pense que ce mec-là, c'est celui qui va tuer Cell. Le mec qu'on a envie de porter, hein, ça vous va. Et après, bah, ça va être le drame. Il va se mettre avec Videl, et là, bah, sans Gohan, ça va devenir. Un beau fond de jogging. Lilo. Allez, c'est bon, ça y est, je viens de mettre une communauté à deux. Bonjour, Lilo. Ah, mon chat qui m'appelle. Bah, il attendra le chat, hein? Je suis en train de jouer, donc t'attendras, bordel. Yosh, koko na tsuresoda. Je devrais pouvoir attraper quelque chose par ici, très bien, c'est parti. Allez. Ah, voilà. Alors, pour ceux qui se posaient la question tout à l'heure quand j'ai dit j'ai hâte d'aller pêcher, vous allez comprendre pourquoi. Avec quoi pêcher? Avec une canne. Voilà. Regardez là. Son Gohan a une queue. On est d'accord. Son Goku n'a pas de queue. Je vous fais voir avec mon doigt, mais en fait, vous verrez pas sur l'écran. Mais c'est complètement con ce que je suis en train de faire. Oh oui, quand tu trempes ta queue dans l'eau, tu peux sentir les poissons qui nagent. Non, je ferai pas cette blague. Non. Enfin, je ne l'ai pas fait depuis longtemps parce que je n'ai plus de queue. Mais quand j'ai demandé à mon ami, il m'a fabriqué une queue de remplacement pour pêcher. Tu le crois, ça? Ah, génial. Oh, d'accord. Non. Attention, préparez-vous. Un moment. Je veux pas savoir où il l'accroche. Non, on est d'accord. On est d'accord que là, il se la met dans la nuque. Hein? On est d'accord. On est d'accord qu'il se met la queue dans la nuque, quoi. Oh, les poissons, ils sont... Putain, ils sont énormes, les machins, ouais. Alors. Ah, mais j'ai fait de la merde, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, je suis un loser, je suis nul. J'ai pas appuyé sur le bon bouton, je suis nul. Allez. Attends, faut que je fasse quoi? Ah, oh, putain. Non, sérieux, faut que je lise ça. Bon allez, on va remuer la queue. Le poisson qui arrive. Voilà, et là faut que je fasse quoi? Appuie sur la touche dans la zone orange. Ah voilà. C'est bon. Voilà, c'est bon, j'ai compris.
Par contre, ouais, c'est vrai que niveau maths, on a vraiment rien à dire, quoi. Alors, par contre, putain, la cueillette des pommes et la pêche. Ah, oh, mais non! C'est pas grave. Poisson géant maigre, nageoire de poisson géant, d'accord. On a récupéré du geyser et du revenir. Bien joué, papa. Bah oui, je sais. Ouais, je parle que chichi, voyons rien, voyons ça. Petite pêche, regarde la petite, tu vois ce que je veux dire. On a quand même un peu de poisson, on a quand même des bonnes. Et oui, moi aussi, j'ai un peu peur. Oui, normalement, Sangon, il a passé le bois. Faisons cuire notre prise, fait cuire un poisson sur un feu de camp. Alors là, il y a le feu de camp, ok. Et donc, manger un repas. Donc, on va faire cuire le poisson. Donc, je pense que les sessions de let's play seraient... Enfin, des sessions assez courtes. Je pense que ce sera des sessions d'une demi-heure, 45 minutes à peu près. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous voulez des sessions plus longues ou... Si cette durée vous convient. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi tout ça? Ouais mais j'ai pas non. En fait j'ai juste ça. C'est quoi ça? Un morceau de viande blanche dépressionnée. Bah oui, sélectionné, confirmé. Et puis oui. Ah sympa! On va faire griller le poiscaille. À la défense qui, d'accord. Oh là là, putain. Il va falloir attribuer des... Il va falloir modifier... Oh, ça va être compliqué. Il va y avoir de la stratégie. Non, Dragon Ball Z, c'est bourrin, c'est pas stratégique. Le qui et les PV du groupe. Ok, parfait. Parfait, parfait. Ouais, je vais faire les voix. Ça va être rigolo. Aujourd'hui, papa. C'est moi aussi, je me suis bien amusé aujourd'hui. Merci pour ton aide. T'apprendrai à pêcher la prochaine fois. On rattrapera plein de poissons ensemble. D'accord, j'ai trop hâte. Qu'est-ce que c'est ça? Tu as obtenu les emblèmes d'âme suivants. Son Goku, niveau de communauté, nanana. Voilà. Juste un instant. Voilà. Son Gohan, ok, super. Emblème d'âme, alors ça sert à quoi? C'est emblème d'âme, c'est un objet représentant les relations, etc. Ok, tu as appuyé Son Goku, leader de la communauté, il y a les aides qui ont débloqué un nouveau tableau communautaire. Ok, tableau communautaire, le tableau communautaire va me désigner les emblèmes d'âme, les emblèmes peuvent être signés ou retirés à tout moment. Nanana, j'en ai rien à secouer, j'y vais au feeling. Communauté de guerriers Z, je m'en bats la race en sélectionnant la pommeville et puis sur hop, objet et prends les emblèmes d'âme. Ça peut-être. Qu'est-ce qu'ils appellent panneau vide? En sélectionnant un panneau vide, appuie sur hop, objet. Oui. Ah voilà, après avoir sélectionné son Gohan et puis sur A pour pouvoir la signer, d'accord. Non, là. Assigne son Gohan à côté de son Goku, ok. Voilà. C'est pas, par contre, c'est pas très intuitif hein, ce truc. Hein. Voilà. Allez, liste de bonnes équipes vérifiées subtiles. Nanana, ok, putain. Oh papa, j'avais oublié de te dire, j'ai trouvé ça pour me dépêcher. Je sais pas comment ce que c'est, mais tiens, c'est pour toi. C'est bon? Merci, Son Gohan. Texte sacré des arts martiaux. Parce que c'est. Utilise utilise l'objet que Son Gohan a trouvé dans le menu emblème en tant que cadeau. Offrir des objets, je m'en fous. Cadeau. Je vais même pas dire ce que je trouvais, papa. Si, je veux dire. Voilà. Alors, utilisez tes propres vies. Voilà. Monter le rang de communauté des guerriers Z. 1, 2. D'accord. Fermé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tranche de vie, parle à Son Gohan. Oh, les missions pourries quoi pour le début. Bon, on peut rentrer à la maison maintenant. Bah, rentre à la maison de toute façon. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre?
j'ai pas trop envie de m'éterniser là. Ah, une nouvelle cinématique. Je vais vous laisser regarder. Je vais me taire. Au dinosaure, ça sent vraiment bon. Bye bye. Y'a pas à dire, c'est quand même vrai que c'est beau. Hein. C'est beau, mais c'est loin. Désolé, référence d'ancien. Allez, retourne chez Son Goku, ok. Comment tu fais pour descendre? Ah ouais, ok, d'accord. Oh, encore? Ah mais d'accord, c'est des ordres. Oh, je croyais que c'était des trucs que tu vas ramasser. Hein. Ok. D'accord, ouais. Ouais, ça va casser les gens dans les ordres. Hein. Bon, elle est où ma maison? Elle est là. Voilà. On s'en fout, on ramassera des ordres plus tard. Tiens, la chichi. Allez, qui c'est qui va se faire pourrir? そう、急ぎだ、やつめにどんだけって。今日は無天堂様のところに。ごはんちゃんの香り。そうだったわりわり。もういいだ。ほら、弁当作る準備。孫悟空のチーム。パラシシポケットプレパラマンジェ。オー、プレーラバシ。ほら、バシ。オッケー。それじゃあ取ってきてもらった材料で弁当作るだよ。 Prépare un plat, prépare un repas complet. Prépare un repas complet au pire. Ok, prépare un plat. Choisis poisson bouilli. J'ai pas. Je sais pas. J'ai vraiment préparé poisson bouilli. Terminé. Tu as préparé un poisson bouilli. Ok. Tu peux désormais manger poisson bouilli, super, ce poisson que tu as ramené, fouille la maison. Ok. Fouille la maison. Ah, il y a un truc là. Course au dîner pour mettre ce nouveau élève à l'épreuve tortue. On voit très loin dans le bois une pierre sur laquelle il a écrit le symbole tortue. Il explique que celui qui retrouvera la pierre la ramènera en premier pour arranger l'ordinaire de manger que le parent de manger. Ah, c'est sympa ça par contre. Je trouve l'idée sympathique. Son Goku trouve la pierre, mais crée la roule et la lui voit. Il ne sait pas qu'il en suit. La pierre marquée. Ok. C'est la pierre qui est sympa. J'ai atteint l'objectif, musique 10 ans, 13 jours, pour d'aider. D'accord, ah ouais, relation, personnage, monde. Bon. Ouais, mais ça me met pas, mais j'ai rien en fait, je me rends pas. Pression bestiaire. D'accord, oh, sympa.
Sympa, mais par contre, je comprends pas. Ah oui, d'accord, c'est là. D'accord, ah oui, ah, je trouve ça super sympa. L'idée est géniale. L'idée est vraiment géniale. Ok, bon, bah, on va retourner par la chichi, je pense. Bah non, fouille la maison. Ouais, mais j'ai fouillé la maison. Et tu fouilles quoi d'autre? Ça, c'est la porte d'entrée. Peut-être si je peux. Oh, je parle à Gohachi. Bon, je sais pas quel tour mettre le panier au plat. Ok, voilà. Voilà, voilà. Yo, c'est jumbi dekita zo. Fore bento da. Oh là là, c'est vrai que comme beaucoup de jeux, début très long. Ah, nouveau truc de relation. Ok. Leader de la communauté de cuisine. Oh, le vilain cliché. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Oh, encore une cinématique. Un chapeau avec une boule de cristal, peut-être. Allez. Oh, dis donc, la prévisibilité du truc. ご飯中お目の名前もそのじいちゃんからもらったもんだぞ。そうなんだ。よく似合ってるだ、ご飯ちゃん。それをかぶってりゃ、じいちゃんもお目を守ってくれっから。大事に住んだぞ、ご飯。うん、ありがとう。お父さん、お母さん。じゃ、今度こそ行ってくっから。悟空さん、ご飯ちゃんをよろしく頼むだ。 Allez, vas-y, tiens, je te donne des ordres. Alors, rappel de l'histoire. Son Goku, le guerrier le plus puissant de la Terre, mène une vie sans nuage avec sa nouvelle famille et son fils. Il se rend sur l'île de Vertu Génial pour présenter son fils à son maître. この世には7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。ある者は莫大な富を、またある者は王の座を願い、思うがままってに入れたという。その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれを巡り世代をわたって繰り広げられる 孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。ねえお父さん、無天老様ってどんな人？見た目は呼ぶ者じっちゃんだけど、めっちゃくちゃ強いんだ。まあちょっとエッチなんだ、たまに傷だけど。オラの一番の親友で ライバルのクリリンもいるぞ。クリリンさんもお父さんみたいに強いの？うん。オラの知ってるやつの中ではかなり強い方だと思う。あとブルマっちゅう女が来てるはずだ。ブルマがドラゴンボールを探しにオラのとこに来てから一緒に旅するんだと思うんだが、旅に出てなきゃじっちゃんたちに会うこともなかったかもな。オラ、オラのレベシェットフトジニアオ。カメセニン。 C'est dingue, ouais. Ce qui est dingue surtout, c'est comment t'as trouvé pour faire des enfants encore, parce que naïf comme t'étais. Son Gohan. Son Gohan. Son. Ah. In. Bon, je passe vite fait les dialogues parce que. Country Living a été mis à jour, le truc s'est fait attaquer par la Kri, on va le voir, on va parler à Kri là. Kuririn. On va parler à Kuririn. Goku, c'est ça. Ouais, je sais que je parle pas beaucoup, mais c'est compliqué, hein, c'est dur de parler en même temps. Je sais pas si vous...
Essayez, vous verrez, c'est pas facile. Oui, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que bon... Oui, manque d'entraînement, c'est ça. Non, mais pas Sérieusement quoi. Non mais regardez, regardez l'arrière-plan. Ok. Pingal, Sukimono. Oh c'est super drôle. C'est super drôle. Très profond d'un pilier bleu sur le terrain pour la capturer. J'ai besoin de le faire dans un espace secondaire, ouais. Alors voyons voir. Bah sinon, bah je pense que pour cette première session, on va s'arrêter là. On fera peut-être des sessions plus longues par la suite. Après, tout dépend, parce que là c'est pas méchant, mais ça me saoule un peu tout de suite. Oui. Attends, j'ai essayé d'aller nager, fais. Je peux. Ah bah non. Là, je peux pas partir. C'est nul. Oh là là, c'est dirigiste. C'est pas un monde ouvert. Bon, bah écoutez, hein, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce nouveau let's play vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut les amis. Et à bientôt pour la suite de Dragon Ball Z Kakaroto.